Certaines légendes racontent que les îles Canaries pourraient être ce qui reste de l'Atlantide disparue. Légende ou fabulation, il est vrai que certaines cartes très anciennes témoignent de l'existence d'une terre dont l'homme a rêvé bien avoir d'en avoir pour la première fois foulé le sol. Des poètes de l'époque, inspirés par les informations des navigateurs phéniciens, grecs, carthaginois et romains, rivalisèrent d'éloges pour décrire les merveilles de certaines îles au milieu de l'Atlantique, dont le climat était si bénéfique et la terre si féconde qu'on les baptisa les îles Fortunées, un qualificatif qui a survécu jusqu'à nos jours. Depuis l'Antiquité jusqu'aujourd'hui, a prévalu cette vision imaginaire de l'archipel qui est devenue l'une des principales destinations touristiques d'Europe. Cependant, bien peu savent que les Canaries possèdent un mystérieux héritage culturel qui se manifeste dans les caractéristiques de ces gens, de son folklore et de ses traditions. Les Guanches furent les premiers habitants de ces îles. L'agriculture et le bétail étaient leur principal mode de vie. Les bergers indigènes utilisaient leurs cannes comme un outil qui les aidait dans leur travail. Pour conduire le bétail, supporter le mauvais état des chemins, mais aussi comme arme pour se défendre des dangers qui les guettaient. Ils effectuaient divers entraînements confrontant leurs habiletés, le combat corps à corps, le combat avec bâton et l'esquive de pierre. Ces activités leur permettaient en même temps de se préparer à la guerre. Bien qu'il s'agisse d'un peuple pacifique, les disputes internes entre les bergers pour le contrôle de meilleurs pâturages ou le vol de bétail étaient fréquentes. Cette hostilité continue et la nécessité de se défendre les aida à développer à travers les siècles un système de combat sophistiqué. De nombreuses chroniques de la conquête des Canaries commentent l'habileté des Guanches à brandir le bâton et les combats féroces dans lesquels ils intervinrent contre les armées espagnoles. Après la conquête de l'île, les nouveaux gouverneurs interdirent cette pratique et le bâton tomba en désuétude et son usage fut relégué aux zones rurales. Le temps passa. Les paysans conservèrent jalousement leur art au sein de leur famille pendant des générations. Les grands-pères transmirent cette connaissance à leurs petits-fils et ceux-ci à leurs propres descendants pendant plus de 4 siècles. Marino Acosta hérita cette pratique de ses aïeux qui étaient des joueurs de bâton experts. Sa famille resta toujours en contact avec toutes les anciennes coutumes ayant une saveur canarienne, le combat au bâton et la lutte canarienne, des passions que Don Leopoldo Acosta, l'oncle de Marino et le patriarche de la famille, sut inculquer à ses enfants et à ses neveux. Depuis tout petit, Marino a vécu avec Don Polo et Don Maximiliano, les plus anciens maîtres du style Acosta, et avec d'autres membres de la famille qui pratiquaient également cette escrime au bâton. Il l'a étudié avec eux, bien qu'il considère son cousin Santos Acosta, le fils de Don Polo, comme son meilleur maître. José Santos Acosta y Acosta est né dans l'Ortigal, Tenerife, en 1932. Il est actuellement le maître le plus ancien de la famille, mais cela fait plusieurs années que, suite à une incapacité physique, il ne peut plus enseigner. Depuis, Marino est devenu le responsable de transmettre fidèlement le style que jouaient les vieux maîtres de la famille, le style original de bâton court des Acosta de Tenerife. Bonjour, je suis Marino Acosta. Je suis joueur de bâton de la famille des Acosta de Tenerife, une tradition qui a été transmise à travers ma famille grâce à mon oncle Polo, qui, avec son cousin Maximiliano, est parvenu à la conserver jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour vous montrer notre style. J'espère que lorsque vous verrez cette vidéo, l'escrime au bâton que nous effectuons vous plaira et vous permettra d'améliorer votre connaissance du bâton. Merci.
Le style Acosta est connu comme l'un des styles les plus agressifs et rapides. Ses anciens maîtres le qualifiaient de style de bâton court pour le différencier des autres styles de l'île, dit de bâton long. La saisie centrale du bâton facilite l'utilisation des deux extrémités, contrairement aux autres styles qui le saisissent uniquement d'un côté. Le jeu en distance courte prédomine, parfois accroupi, avec des techniques qui partent d'en bas pour surprendre l'adversaire. Les mains ne se croisent jamais et les changements continus offrent plus de mobilité et d'harmonie dans le jeu. Le bois de ces bâtons provient d'un arbre qui pousse dans les montagnes de Canaries. Ils sont endurcis au feu, après les avoir préalablement pelés, enlevé leur écorce. On les trempe dans le feu comme le fer, pour qu'ils acquièrent leur couleur. Le bâton prend la couleur que le joueur décide. Habituellement, le bâton est conique, contrairement aux autres bâtons des autres styles. Nous employons le tronc et la pointe. Normalement, le joueur aime bien couper et préparer son bâton pour le sentir comme quelque chose qui est à lui, comme une défense particulière, car le joueur se cache derrière ce bâton. Thank you.
voyons les différences du jeu à Costa. Dans d'autres écoles, on prend le bâton par le tronc et la pointe. Nous, nous utilisons un bâton qui arrive jusqu'à la poitrine du joueur. Nous pouvons jouer au bâton long ou au bâton court. On appelle bâton long le bâton que nous prenons et que nous déplaçons vers le haut de cette façon. Si nous avançons, nous passons maintenant au jeu du bâton court. Nous utilisons les deux pointes. C'est une des richesses de notre école. Nous nous battons avec les deux pointes du bâton et pas avec une seule pointe. Nous commençons avec bâton long, bâton à la tête, et je reste à cette distance. Pour entrer, je passe à bâton court et je suis dans la distance. Cette technique est un ramassé. Elle permet de nous défendre, de nous cacher derrière le bâton. Nous pouvons faire le changement de garde. En même temps, nous déplaçons la jambe, bien que cela se produise lorsque le rythme du jeu est lent. Quand nous jouons rapidement, nous ne faisons pas de changement de garde, mais un changement de ceinture, une simple rotation de la taille pour rester protégé derrière le bâton.
C'est la base pour que les joueurs commencent leur apprentissage, à part d'une série d'exercices de maniement. Cette séquence sert de base pour les escuadras et les défenses. Je vais attaquer le côté d'Alfonso avec le bâton. Cela s'appelle al costado. Maintenant, je passe à l'autre côté. Je frappe à la tête. Coup de pointe. Et déplaçant le pied gauche vers l'avant, coup au cou. Déplaçant maintenant le pied droit, coup à l'entrejambe. Maintenant, c'est au compagnon de répéter ces mouvements. Nous allons expliquer les puntas cochinas. Nous frappons en bas avec la pointe, il bloque et nous feintons d'aller vers le haut avec l'autre extrémité. Mais nous frappons vers le bas. Ce sont deux mouvements, coup en bas, feinte en haut et coup en bas. Il pense que mon bâton va frapper en haut. Nous revenons alors vers le bas. Un mouvement de tromperie et nous attaquons en bas. La même chose si nous attaquons à la tête. C'est la même chose. Nous feintons à la tête et nous plantons la pointe dans les côtes. Nous pouvons également feinter en bas et attaquer le cou avec la pointe. Les exercices de shadow sont essentiellement un combat imaginaire contre un ennemi invisible. Ce type d'entraînement permet d'effectuer en solitaire des mouvements d'attaque, de défense, d'esquive et des déplacements qui nous aideront à améliorer notre technique et notre habileté.
Bonjour, je m'appelle Carlos Darias et je suis joueur de bâton du style Acosta. J'appartiens aux écoles Acosta de ce style de bâton canarien. À travers ce travail, je vais essayer de vous faire connaître notre style. Nous souhaitons que cet art, celui de la famille Acosta, inconnu de la grande majorité des pratiquants d'escrime au bâton, puisse éveiller leur intérêt. L'origine de cette pratique ludico-sportive remonte aux anciens aborigènes des Canaries, les Guanches, qui déjà l'utilisaient pour défendre leurs terres, leur bétail et leurs propriétés. Il est arrivé jusqu'à nos jours à travers la tradition orale d'un certain nombre de familles qui l'ont conservé en leur sein. Dans notre cas, comme nous l'avons dit, nous appartenons aux écoles Acosta. Le style Acosta en particulier se caractérise par une série de mouvements. La saisie n'est pas fixe et les mains se déplacent le long du bâton. On ne croise jamais les bras et on joue aussi bien d'un côté que de l'autre. Une autre particularité de ce style, c'est que tout le jeu n'est pas rond, circulaire, mais qu'il y a une partie du jeu qui s'appelle le jeu par en dessous, où les trajectoires du bâton se réalisent en dessous du joueur. Ceci nous caractérise et nous rend différents. Je souhaite finalement saluer tous les autres joueurs de bâton, spécialement des îles Canaries. J'espère que ce travail pourra aider non seulement les pratiquants de notre style, mais également de tous les autres styles, Denis, Morales, etc., qui peuvent tous compter sur notre appui et que ce travail les encourage à approcher cette belle discipline. Nous serions heureux de situer cette pratique ludico-sportive à l'endroit qui lui correspond réellement dans le contexte mondial de l'escrime au bâton. Thank you.
La méthode d'apprentissage de cette discipline autochtone canarienne consiste en la création d'un langage bidirectionnel entre les joueurs où chacun d'eux marque les mains de son compagnon et les positions de ceinture et des jambes. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la main droite du joueur correspond à la main droite de son compagnon et vice-versa. C'est le principe du jeu. Nous créons un ordre qui nous permet de comprendre et de communiquer avec le compagnon. Une fois que nous dominons tous les aspects techniques, on commence à créer des avantages à partir du désordre. Apprendre ce sport n'est pas une question de minutes, mais de beaucoup de temps et de pratique. Nous allons réaliser la répétition d'une attaque qui comporte trois attaques, tête, côté et cheville, et nous allons présenter trois alternatives différentes, pour la défense et pour l'attaque. Tête, côté, cheville, changement de garde, et nous changeons. Il attaque à la tête, côté, cheville, changement de garde, et nous changeons de nouveau. Maintenant, une nouvelle alternative de la même attaque. Tête, côté, cheville, changement et j'entre dans l'attaque. Et nous changeons. Il attaque à la tête, côté, cheville, changement et j'entre dans l'attaque.
Cette série de mouvements est le dénominateur commun de toutes les escrimes avec bâton qui se pratiquent dans les Canaries. Ce mouvement est appelé recogido. C'est le mouvement complet. Il est à 50% offensif et à 50% défensif. Après ce mouvement, le joueur se protège derrière le bâton pour assurer sa sécurité. Grâce à lui, nous créons un écran devant nous qui nous défend de n'importe quelle attaque du compagnon. Outre ce mouvement, il existe deux changements de garde, qui sont des changements d'un côté à l'autre, où nous nous déplaçons avec la hanche et nous plaçons un pied devant et un autre derrière pour barrer les attaques latérales. Quand le jeu du bâton est très vigoureux et rapide, nous économisons des mouvements au moyen d'un simple mouvement de taille, comme ça, qui nous défend de toute attaque. Un bon joueur de bâton trouve la sécurité dans ce mouvement, qui crée un écran devant lui, qui nous protège de toute attaque, qu'elle soit frontale, latérale ou d'un autre type. C'est cela le recogido. C'est un dénominateur commun de tous les jeux de bâton canariens. Thank you.
Cette vidéo est dédiée à mon oncle Polo, à mon maître Santos Acosta, ainsi qu'à tant d'autres Canariens qui, par leur travail anonyme, ont contribué à la conservation de cette tradition. Nous, les nouveaux héritiers de ce trésor incalculable, fidèles à nos ancêtres, avons la difficile tâche de veiller à ce que le jeu de bâton continue de vivre pour qu'il puisse poursuivre inaltérable son chemin vers le futur. Bien qu'on joue du bâton avec les mains, on le porte toujours dans le cœur.